Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo haul. Dernièrement, je me suis rendue dans des magasins, j'ai fait une session shopping pour mes loulous. Il fallait impérativement que je les rhabille. Ils n'avaient plus rien du tout à se mettre, ni body, ni pyjama, ni ensemble. Donc c'était full shopping. Je les ai vraiment rhabillés de la tête aux pieds pour, on va dire, cette saison, encore printemps, et surtout pour cet été. Pardon. Donc du coup, je voulais vous montrer tous mes achats, vous donner des idées pour vos loulous, en sachant que moi, donc du coup, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et une petite fille de 1 an. Donc voilà, vous avez un peu une idée de ce qu'il y a en ce moment au niveau collection dans les magasins, en sachant que je suis allée chez Primark, comme à chaque fois, Kiabi, Zara, H&M. Voilà, c'est ces 4 enseignes-là que je fais habituellement. Donc j'ai un centre commercial à côté de chez moi où je peux tout faire, donc tant mieux. Donc tout est mélangé, voilà, j'ai rangé tout dans un sachet pour vous montrer et j'ai tout mélangé. Donc Estao, il lui fallait des bodys, ça sera les derniers bodys je pense qu'il mettra avant la rentrée à l'école en septembre. Donc j'ai pris du 36 mois, le 24 mois, c'était trop juste, donc en sachant qu'il a 2 ans et demi, on a tablé directement sur le 36 mois, c'est des bodys à manches courtes, hein. Ils font plus de manches longues à cette période de l'année. 100% coton, donc il y en a 4. 12 euros, ils sont très bien. Les body de Kiabi, je les prenais quand ils étaient tout petits, quand ils sont nés même, et leur body croisé notamment, ils sont vraiment bien. Ensuite chez Primark, bah forcément j'ai repris des bavoirs. Si vous cherchez des bavoirs plastifiés avec un réceptacle pour recevoir la nourriture qui tombe, je vous conseille ceux-là. Alors ils sont à scratch, c'est par le 2, donc ils font pas très longtemps, mais ils sont plutôt pas mal et ils sont à 3,50€ seulement. Donc là on va dire, voilà, vous avez la version fille avec les licornes, là la version garçon avec l'espace, ça varie en fonction en fait des collections chez Primark. Ensuite je regarde en même temps l'étiquette puisque j'ai tout mélangé. J'ai pris un pantalon pour Eya, il fallait vraiment que je rachète, hein, il n'y en avait plus qui lui allait, en sachant que Primark c'est la taille un petit peu plus grand et que moi mes enfants ne sont pas petits non plus. Les tailles inférieures leur vont encore, hein. Il fallait vraiment les changer, bref. Donc Eya, je lui ai pris du 12-18 mois, plus c'est avec un élastique à la taille, donc pour pas les serrer quoi. Et celui-ci est à 6€. Bon, c'est un jean tout simple, hein. Voilà, basique. Mais on voit généralement chez Zara Kiabi ce genre de pantalon, ça me coûte à 17-18€. Je trouve ça inutile pour ce genre de basique. Ensuite chez Estao, voilà le genre de t-shirt que j'adore acheter à Primark. C'est un lot 2, là il est un peu bleu gris et là à rayure avec la petite poche en jean. Je l'ai pris du 24-36 mois, parfait pour cet été, 5€. Parce que enfin des fois quand je rachète, c'est ce que je me suis dit là pendant la session shopping, je rachète et en fait dès que je vois le vêtement, je me dis oh là, il va le tâcher, il va le trouer, etc. Donc j'ai pas envie de mettre un bras et un rein, mais j'ai envie de trouver en même temps des choses jolies aussi. Ensuite j'ai pris ce petit short là, trop mignon en jean. Chez Primark, 12-18 mois, 7€. Donc rose ouais, pastel, on va dire plutôt rose Barbie, avec des petits volants au bout, avec un petit basique t-shirt blanc, ça ira très bien. Ensuite, je lui ai pris ces petits ensembles, vous savez, qui sont sur les tables, vraiment pas cher. Le haut, enfin le bas était à 1,80€. Donc c'est un petit short avec des petits cœurs rayés. Pour traîner à la maison, même pour cet été en vacances, ça ira. Et il y avait le Marcel, donc le t-shirt sans manches, pareil 1,80€, je l'ai pris du 12-18 mois, ça fera largement l'affaire, ça fait quoi, même pas 4€ l'ensemble. Ensuite toujours chez Primark, j'ai pris des slips pour Esao, alors ils sont vraiment moches, mais lui il aimait bien, c'est des ballons de foot classique, enfin de ma génération, moi j'aimais pas du tout. De 3 ans, 98 cm, 4€, il y en a 7, 100% coton aussi, en sachant que on essaye de lui apprendre à aller sur le pot et donc les couches, c'est plus de. Voilà, on essaye de lui enlever. Et je voulais aussi lui acheter des slips d'apprentissage, donc voilà, pour varier entre les slips et les slips d'apprentissage, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris des chaussettes toujours chez Primark, enfin j'y vais que pour les basiques qui sont vraiment pas chers, donc c'est un lot de 5 chaussettes 24-36 mois qui correspond à du 23-26 sans pointure, 3€ la paire de 5 et
Par contre, c'est pas du coton. Non, c'est pas écrit. Mais bon, enfin, voilà. Les paires de chaussettes, ça ira très bien. Ouais. Alors, après, on passe chez Zara. Il y a tout qui est mélangé. J'ai acheté plusieurs pièces chez Zara. Et je voulais vous montrer, je vais chercher. J'ai pris ce petit suite qui est trop beau, qu'elle peut mettre dès maintenant. En fait, donc c'est vraiment un format suite. Et au bout, en fait, il est croisé. Et en dessous, vous avez un petit tissu qui dépasse comme si elle avait mis une chemise avec des motifs fleuris. Il est trop trop beau. Donc je lui ai pris du 12-18 mois. Il était qu'à 14,95. Donc pour le coup, c'est vraiment pas cher. C'est écrit Soft and Happy en brodé. Et en fait, je lui ai pris pour aller avec ce pantalon qui vient toujours de chez Zara. Un joli rose. J'adore ce genre de rose pastel. Et il me semble, ouais, qu'au niveau de la bordure du jean, il y a un petit liseré rose gold. Il est vraiment joli avec des petites poches volontées. Je lui ai pris du 12-18 mois. Il était à 12,95. Donc pour aller avec l'ensemble, avec le petit liseré fleuri, je vais le mettre demain, je pense. Il est trop canon cet ensemble, j'adore. Toujours chez Zara, j'ai pris ce petit t-shirt tout simple, ils en font des simples, à 4,95€. Donc c'est un t-shirt, mais un petit peu dans l'esprit blues. Là, il y a un peu de broderie, il est vraiment beau. Pareil, 12-18 mois, il était à 4,95€. Donc rien du tout. Chez Kiabi, j'achète aussi des basiques chez Kiabi. Et j'ai pris des pyjamas donc en tissu simple. En sachant que chez Kiabi, dans les étagères, vous avez 3 pyjamas achetés. Le troisième offert. Donc ça vaut vraiment le coup. En sachant que celui-ci par exemple est à 9€. Et là c'est un petit ours. Ils sont grands par contre, je trouve. Généralement je prends un peu plus grand chez Kiabi parce que je trouve qu'il taille petit. Mais des fois ça dépend en fait des vêtements. Voilà, je lui ai pris aussi cet autre pyjama mini princesse à paillettes. Elle a déjà le t-shirt. Donc il a le petit poids, il est trop trop mignon. Pareil, il était à 9€ je crois. Ouais, 9€, ils sont toujours au même prix, vers 9-10€. Et donc vous avez le troisième offert. Et moi j'ai pris ce pyjama mixte. Bon, son frère pourra pas le mettre parce qu'il est trop petit. Mais voilà, avec un petit visage de chat. Et je crois qu'il était à 9€ aussi. Donc voilà, un des trois m'a été offert du coup. Donc ça fait 18€ les trois pyjamas. Ce qui est quand même assez raisonnable. Ensuite, chez Kiabi, j'ai craqué sur cette blouse. Ouais. Alors ouais, c'est les boutons devant. Moi, elle peut se porter dans les deux sens, je trouve. Donc les boutons devant. Et là, vous voyez, il y a des petits liserés en couleur rose gold cuivre. Elle est vraiment jolie. Donc je lui ai pris du 18 mois. Elle était à 10€. Voilà, qui a un petit short. J'adore, elle est vraiment trop belle. En fait, quand vous achetez, surtout pour une fille, bah vous dites « Ah putain, j'aurais bien... » Pardon. Quand vous achetez pour votre fille, quand vous avez une fille, chez les hommes, je sais pas, mais moi, je me dis « Ah, j'aimerais bien avoir la même version pour moi, en fait. » Mais il n'y a pas, forcément. Pour Estao, je lui ai pris des pantalons, en sachant que chez Primark, ça taille grand. Donc là, c'est du 2-3 ans, 98 cm. 6,50€, ils sont très très bien les pantalons Primark, je vous en avais déjà parlé, ils sont pas chers, qualitatifs, ils bougent pas au lavage, 6,50€, voilà, un basique encore à mettre dans sa garde-robe. Chez Kiabi, j'ai pris des bretelles pour mon petit loup parce qu'il perd ses pantalons, c'est horrible, il est grand, donc ben, niveau taille ça va bien, longueur ça va bien, mais niveau largeur il est assez fin, donc c'est un peu problématique, donc j'ai acheté des bretelles, voilà, toutes simples, voir si ça tient un pince, 5€. Chez Primark, d'habitude, je lui prends les chaussures chez le chausseur, mais là, on va voir ce genre qui marche bien et que le talon était bien, bien dur. Je lui ai pris ces petites baskets-là pour traîner, aller au parc. Enfin, voilà, sont sympas, il n'a pas de baskets. En plus, c'est à scratch, donc c'est pratique à enfiler. Du 24, 9€. Voilà, je me dis, elles sont blanches, mais si les abîme, c'est pas grave. J'ai pris beaucoup de shorts pour cet été à Estao et les shorts je les prenais chez Primark déjà l'année dernière. Donc là je lui ai repris un short en jean avec un petit effet déchiré. Un an et demi, deux ans, donc 92 cm cette fois-ci. Alors je sais qu'en longueur ça va lui aller puisque c'est un short et je sais surtout qu'en taille aussi il ne le perdra pas. 11€. Voilà. Toujours chez Primark, j'ai craqué pour cet ensemble. Je trouve vraiment trop trop mignon si vous avez un baptême, un mariage cet été. Je trouve que c'est trop trop mignon. Je vois trois pièces, mais peut-être qu'il compte les bretelles. Ou il manque un truc. Ouais, je me demande s'il manque pas un truc. Je sais pas.
Bref, j'ai pris cet ensemble, donc vous avez la chemise avec les petits boutons, il a un effet un peu chiné, il est trop mignon. Et là vous avez le short à bretelles, trop classe, ça fait un peu je sais plus comment ça s'appelle, avec la petite casquette, le petit béret, je trouve ça trop mignon. Les bretelles sont très jolies, j'aime très beaucoup. Et donc voilà, vous avez cet ensemble là, il était à 16 €. J'ai pris 24-36 mois pour cet été, ça fera l'affaire. Bon, et vu que mon fils est fan de Star Wars, bah forcément, je suis rentrée avec un t-shirt Star Wars. Là, c'est les Stormtroopers. Il était à 4 €. Voilà, pour un Star Wars, c'est pas cher. Pour Elia, chez Primark aussi, j'ai pris ce petit short. J'ai eu un coup de mou, un coup de blues, ce que vous voulez. Quand je me suis rendu compte qu'en fait cet été elle mettrait largement du 1 an et demi. Je lui ai dit non, c'est pas possible, pas déjà, bah si. Moi j'étais restée à du 10-12 mois, mais non, bon. Donc je l'ai pris pour cet été, je pense que ça lui ira. C'est pas trop grand, 1 an et demi, 2 ans, 92 cm, en sachant qu'elle fait plus de 80 cm à l'heure actuelle, donc je pense que ça ira. Il était à 9 €, kaki en toile avec un joli nœud. Bon, elle n'a pas de kaki. Donc avec une petite chemise, une petite blouse blanche ou même jean, ça ira très bien. Chez Zara, on continue avec les shorts. J'ai pris gros craquage pour ce short là. Alors, je sais plus, c'est enfin, une sorte de broderie anglaise avec des petits boutons. Il est magnifique. Il est doublé, donc ça c'est bien. Il était à 17,95 €. Enfin, chez Zara, les prix, ça varie beaucoup pour pas grand chose. Donc je l'ai pris du 18-24 mois. Moi j'aime beaucoup, il est très joli. Ensuite chez Primark pour mon loulou, j'ai pris ce t-shirt tout simple, c'est les t-shirts sur la table de 3 ans, 2 €. Voilà. Bah, quand il se tâche ou il salisse ou il abîme et que vous n'arrivez pas à enlever les taches, et bah, vous culpabilisez pas d'avoir foutu 15 € dans un t-shirt puisque là c'est 2 €. Enfin, c'est pas très grave. Ensuite, pour Elia, il lui fallait encore des pyjamas, donc j'ai trouvé, dans mon primaire, il n'y avait pas les tailles, c'est chiant. Donc du coup, j'ai trouvé ce lot de pyjamas 12-18 mois, ils disent que c'est du 86 cm. Ils sont très bien les pyjamas Primark. Donc pyjama en tissu avec les boutons devant, 9,53 €, sachant que c'est du 100% coton. C'est des petites fraises, des pleuries, petit poivre, hein. Classique mais sympa. Ah, je vous dis, je sais pas combien de temps il va durer ce haul, mais je les ai ramenés de ouf. Hein. Ensuite, pour Elia, je cherchais une petite veste. Elle en aura d'autres, je pense. Mais j'ai commencé avec cette petite veste en jean, toute simple. J'en ai trouvé aussi une chez Zara, mais elle était à 27 €. Je me suis dit, du jean, 27 €. Pas déconner non plus. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Kiabi. Voilà, toute simple. Un peu vintage, rose pastel. 15 €, 18 mois, ça ira très bien. J'ai pris Primark, il y avait de chouettes ensemble pour les louloutes. Et j'ai craqué sur cette combi. Alors, il y a le short en jean intégré avec le petit haut rayé. Et là, il y a des petits boulons. J'adore. Avec un petit gilet cet été. 12-18 mois, 12 ans. 12 ans. 12-18 mois, 12 € plutôt. Je pense que ça lui va déjà maintenant. Donc, ça sera très bien pour cet été. Autre petit short, c'est le même que le rose que je vous ai présenté tout à l'heure. Ouais, on dirait qu'il est un peu sale, de toute façon je l'ai lavé. Donc pareil, blanc cassé, pas tout à fait blanc, avec des petits volants là, 7 €. Voilà, en jean. Au craquage aussi pour cette combinaison. Je regarde, ouais, il n'y a pas de manche, en fait c'est un volant au niveau des épaules, très joli. En jean avec un petit nœud à la taille, une pièce. Je regarde, ah, ils n'ont pas mis de pression au niveau de la couche, donc ça va être un peu relou à changer. Ça c'est du 1 an et demi, 2 ans, donc il part du principe qu'il n'y a plus de couche à 1 an et demi, 2 ans, ce qui est un peu compliqué, donc elle m'a coûté 10 €. Voilà, trop joli. Toujours chez Primark pour Elia, voilà, j'ai craqué pour 2 blouses, elles sont magnifiques, toutes simples en tissu avec des volants au niveau des épaules et des petits pois roses. Bah, je kiffe, elles étaient à 5 €. Et celle-ci, 6 €. Voilà, blanche, basique, avec le petit short que je vous disais tout à l'heure. Avec des petites... c'est pas des broderies, c'est des fleurs ajourées, vous savez. Et des petits volants au niveau des épaules. 6 €. Moi, j'adore. C'est exactement ce que je mets pour Elia. Si vous entendez du bruit derrière moi, en fond, c'est ma voisine au-dessus qui déménage. Donc, forcément... il fallait que je tourne cette vidéo aujourd'hui.
Autre short pour Eya qui me paraît un peu plus grand que le kaki, pourtant c'est du 1 an et demi, 2 ans, mais il est trop beau, esprit marin, rayé bleu, avec une petite ceinture et un nœud. Moi je le kiffe, très simple, 9 €, voilà, pour cet été chez Primark. Comme je vous l'ai dit, pour Eya il me fallait impérativement des bodys, donc je lui ai pris des bodys à manches courtes, toujours, hein, je vous en avais parlé, enfin chaque fois je vous en parle dans mes hauls, pyjama et body viennent de chez Primark. 12-18 mois, manches courtes, et ils sont qu'à 10 €, les 7 100% coton, donc c'est plutôt pas mal. Toujours chez Primark, j'ai pris encore un autre short, elle est full short cet été, c'est très bien, en jean avec des pois blancs, un peu vintage, j'aime beaucoup. Et pour Estao, pareil, un short chez Primark avec la petite ceinture, donc lui qui perd ses pantalons avec une ceinture intégrée, c'est très bien. Et celui-ci était à 9 € et je lui ai pris du 1 an et demi, 2 ans. Donc ça ira parfaitement en longueur et je pense au niveau de la taille. Ensuite, toujours chez Primark, c'est là où il fallait aussi des pyjamas et je lui prends plus d'une pièce. C'est plus pratique je trouve pour lui en deux pièces et surtout s'il y a des pipis la nuit. Et voilà, je lui ai pris ce lot, alors c'est pas les plus beaux de la terre, hein, mais ça ira très très bien. 7 € les deux, donc là c'est des petits requins, voilà, avec le short et le t-shirt. Et il voulait prendre le Mickey. Je ne prends jamais de franchise Mickey à part Star Wars parce qu'il aime bien et que c'est eux qui s'habillent, s'ils choisissent. Ni Mickey, ni Reine des Neiges, je le prends pas, je l'aime pas. Et lui, il voulait Mickey. Voilà, il y a Mickey, Donald plutôt. Pareil, short et t-shirt. Et cela était à 8 €. Le 2, c'est pas excessif, c'est 4 € de pyjama. Ça va pas me donner. Ça, ouais, j'ai trouvé ça chez Primark. Je vais lui mettre maintenant parce qu'elle marche pas, parce que sinon faut pas lui mettre ça. C'est pour marcher, c'est vraiment pas l'idéal, c'est tout mou. J'en profite, je vais lui mettre aujourd'hui d'ailleurs que Yann ne marche pas encore. Parce que enfin, voilà, c'est vraiment pas fait. Je comprends pas qu'il le fasse dans ces tailles-là d'ailleurs. Bon, moi j'ai une petite fille qui a 14 ans qui ne marche pas encore, donc elle est assez feignasse. Bref, je lui ai pris du 20-21, 5 €. Elles sont trop jolies avec des petites paillettes et des petits pois noirs, mais elle va pas les mettre longtemps parce que bon, elle fait encore du 4 pattes, mais bon, quand elle marchera, je pourrais pas mettre, c'est pas adapté. Et chez H&M, j'ai acheté pour Estao uniquement 3 pièces, donc ces pantalons en toile avec des poches assez légers pour l'été et surtout à bretelles. Généralement, ces pantalons à bretelles, je les trouve chez Orchestra, et là chez H&M, ils en faisaient aussi. Ah, il n'y a pas les prix, je crois que c'était 14 € et c'est du 2 ans, 3 ans. Mais la longueur ça va, vous pouvez faire un ourlet encore en bas. Je pense que c'est plutôt 2 ans que 3 ans. Et je lui ai pris le même en beige. J'adore le kaki, le beige pour les petits garçons, une chemise en jean, un haut, un t-shirt et autre. Pareil à bretelles, c'est le même que l'autre. Donc 14 € je crois, si je dis pas de bêtises, avec des bretelles, ça ira très bien. Et gros craquage pour ce t-shirt. Mixte, il y a le mettra, c'est suite Child on Mine, Gun and Roses, avec mon accent bien français, n'est-ce pas? Je l'ai pris en 92, donc 1 an et demi, 2 ans, 7,99 € avec le petit pantalon treillis que je vous ai montré. Ça ira très bien pour cet été. Et dernière pièce, celle-ci vient de chez Kiabi, c'est encore un énième short pour Eya, mais j'ai craqué, il est en jean avec des petits volants. Vous avez du jean léger pour l'été pour pas avoir trop chaud. Avec un petit nœud, 18 mois, 8 €. Voilà. Donc voilà les filles, ce haul, je ne sais pas de quand date le dernier que j'avais fait pour les enfants. Il me semblait que c'était pour les dernières soldes hiver. Donc voilà, vous en avez à chaque fois en fonction des saisons, parce que je les rhabille même entre les saisons. Mais là, c'était vraiment un gros rhabillage pour mes deux loulous. Ça va vite, hein, forcément, moi, ils sont deux. Ils grandissent en même temps, donc voilà, ça fait des frais. Donc je voulais vous montrer ça, vous avez eu un aperçu de ce qu'il y avait à peu près dans les grandes enseignes, dans les grands magasins. J'espère que ce haul vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi ça me fait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous !